Bienvenue à cette classe de maître de l'Observatoire du cinéma au Québec. Je m'appelle Sarah Sarsa et je suis professeure adjointe du département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques ici à l'Université de Montréal. Pour commencer cette séance, je voudrais reconnaître que Georges Jacques est situé en territoire autochtone non cédé. En 1701, la Grande Paix de Montréal a été signée en tant que traité de paix fondateur des rapports pacifiques durables entre la France, ses alliés autochtones et la Confédération Haudenosaunee. La nation Gagnankéhaga est la gardienne des terres et des eaux où la plupart d'entre nous se trouvent aujourd'hui. Nous souhaitons rendre hommage à ces peuples et à leurs descendants, ainsi que reconnaître le privilège de pouvoir résider, étudier et travailler sur ce territoire. Merci beaucoup. Cet événement sera enregistré ainsi que diffusé en direct sur YouTube. Bienvenue l'auditoire qui est avec nous dans la transmission en ligne. Suite à la captation, on va téléverser la présentation sur la page de l'OCQ après un petit montage. Je voudrais saluer mes étudiants et mes étudiantes qui sont ici aujourd'hui et qui sont très enthousiasmés par la présence de notre première conférencier invité du cours d'économie du cinéma et des médias. J'aimerais remercier aussi Joël Lehmann et Cassandra Dion, directeurs adjoints et responsables de communication de l'OCQ respectivement, qui m'ont aidé à coordonner cette présentation. Cassandra va nous aider aussi aujourd'hui à gérer la session de questions et réponses sur YouTube. Mais surtout, je voudrais dire un grand merci à notre invité aujourd'hui, Monsieur Michel Pradier. Bienvenue, Michel. Bienvenue, merci beaucoup. Dans cette séance, Michel Pradier discutera des différents aspects économiques de l'industrie du cinéma et des médias dans le contexte canadien, québécois et à l'international, en soulignant le rôle des organismes financiers et des politiques culturelles dans la production, la distribution et l'exploitation cinématographique. Michel Pradier a acquis au cours de sa carrière une expertise hors du commun en production et financement de longs métrages, ainsi qu'en administration de fonds d'investissement. Il a œuvré une dizaine d'années en production de longs métrages avant d'intégrer les agences de financement audiovisuel canadiennes. D'abord au niveau provincial en gestion d'investissement et crédit d'impôt, puis au niveau fédéral, dont 22 ans à Téléfilm Canada, où il a été directeur national de financement de projets de long métrage. Il a aussi été le représentant canadien auprès d'Eurimage, un fonds de coproduction internationale. Depuis 2019, il se spécialise en production audiovisuelle comme producteur exécutif, ainsi qu'en counseling de financement et en coproduction internationale. Il est présentement producteur exécutif sur un film d'animation débutant le tournage en mars 2021, bientôt, et sur une autre au stade de financement. Après la présentation d'environ 40 minutes aujourd'hui, il y aura du temps pour une session de questions et de réponses. Vous pouvez mettre vos questions sur le clavardage, aussi sur YouTube, au fur et à mesure, mais on va y répondre à la fin. Merci énormément, Michel, pour votre présence parmi nous aujourd'hui. La parole est à vous. Merci, Sarah, et bonjour tout le monde. Enchanté de vous rencontrer par Zoom. C'est rigolo, mais bon, enfin, on va le faire comme ça. Et c'est mon baptême de speaker comme ça à un groupe d'étudiants, donc ça va être intéressant et pour vous et pour moi. Alors, c'est un sujet qui est quand même assez vaste, et puis on va quand même lancer la diapo. J'ai essayé de faire ça un peu dynamique, mais quand même, il y a beaucoup de matériel à couvrir, même dans 40 minutes. Et puis, ben, vous allez sûrement avoir beaucoup de questions, surtout si vous n'êtes pas trop familier avec le financement. Alors, parce que justement, mon background, moi, est plus financier que contenu, donc c'est important de le souligner. Donc, prochaine diapo, je vais justement tenter dans cet exposé de faire un portrait des sources de financement pour un producteur québécois de cinéma, de long métrage. Parce qu'il y a quand même aussi la télévision et le web et tout ça, mais on va se concentrer aujourd'hui surtout sur le cinéma. Et pour faire le lien avec la politique culturelle, c'est juste que la politique culturelle, elle s'exprime dans toutes les visions des organismes de financement, tant à Téléfilm Canada qu'à la SODEC, ou qu'à tout ça, c'est de soutenir, de promouvoir la culture et l'identité nationale, notamment avec un accent plus marqué ces jours-ci sur les groupes sous-représentés, et de définir un encadrement économique dans le domaine du cinéma pour aujourd'hui. C'est qu'on va regarder justement les institutions et mécanismes. C'est que la prochaine diapo. Parce que j'ai un petit deal avec Zahira, comme ça, comme elle tourne les pages. Moi, je ne peux pas parce que mon ordinateur ne peut pas tourner les pages. Donc,
C'est comme ça. Donc, au fédéral, pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas, il y a Téléfilm Canada, dont le siège social est à Montréal d'ailleurs, qui s'adresse à des entreprises et qui a toutes sortes de programmes disons, qui couvrent toute la panoplie de programmes reliés à du long métrage. Il y a le Conseil des arts du Canada qui, lui, est axé sur des créateurs en audiovisuel et dans d'autres domaines artistiques, mais on est dans le domaine du cinéma aujourd'hui. Il y a l'ONF qui est un producteur gouvernemental. Il y a des mécanismes administratifs. Au niveau fédéral, c'est à Patrimoine Canada et au BCPAC, on appelle le BCPAC, qui met en place et signe les traités de coproduction internationale qui sont par la suite gérés par Téléfilm Canada. Et les traités, naturellement, s'adressent à des entreprises de coproduction. Et finalement, il y a des incitatifs fiscaux qui sont les crédits d'impôt pour les productions canadiennes et les crédits d'impôt qui sont pour des productions de services, c'est-à-dire pour des productions qui sont non canadiennes. La canadienneté des productions est établie par une échelle, on appelle l'échelle BCPAC, qui doit avoir 6 points sur 10. Et grosso modo, j'imagine que vous le savez, mais juste pour ceux qui ne seront pas au courant, les 10 points sont formés de réalisateur, de scénariste, l'acteur le mieux payé, le deuxième acteur le mieux payé, le directeur photo, le monteur, le compositeur, tout ça ont une allocation de points et il en faut 6 pour être défini comme Canadien. Au Québec, il y a le même genre de structure, c'est-à-dire que la SODEC, qui est un peu le Téléfilm Canada du Québec, qui a aussi, qui est une entreprise plus qui couvre plus de domaines artistiques que Téléfilm, parce que la SODEC, c'est les entreprises culturelles, donc il n'y a pas que l'audiovisuel, mais il y a tous les autres aspects de la culture. Mais dans l'audiovisuel, elle a aussi une panoplie de programmes qui couvrent de l'écriture jusqu'à la distribution et le soutien au festival et initiatives de coproduction. Il y a aussi le Conseil des arts et des lettres du Québec qui, lui, s'adresse plutôt à des créateurs. Et il y a aussi des incitatifs fiscaux au niveau provincial qui sont les crédits d'impôt pour la production québécoise et des crédits d'impôt pour les productions étrangères. J'ai eu le privilège de travailler à la SODEC, à Téléfilm et au crédit d'impôt. Et c'est des mesures, le crédit d'impôt d'ailleurs qui a été une invention québécoise hein, qui venait remplacer un autre mécanisme fiscal qui s'appelait les abris fiscaux à l'époque, avant 1991 je pense, et qui est un programme extrêmement bien fait, extrêmement simple et qui est finalement un remboursement des frais de main-d'œuvre qui sont dépensés au Québec par des producteurs soit étrangers, soit québécois. C'est une mesure qui est très, comment je pourrais dire, donc qui amène une dynamique économique des dépenses sur le territoire et qui s'auto-suffit jusqu'à un certain point. Alors, prochaine diapo. Dans les autres provinces, il y a aussi des incitatifs d'investissement, notamment en Ontario, à Terre-Neuve, au Manitoba, pour soutenir le cinéma de leur province et le cinéma canadien en général. Puis j'ai marqué en parenthèse de pays, la propriété intellectuelle. Mais dans le reste du Canada, le reste des provinces, parce que les crédits d'impôt, il y a des juridictions provinciales et fédérales, mais dans les provinces, on met souvent plus l'accent sur des crédits d'impôt de services, et donc pour des productions étrangères, qui vont stimuler l'emploi et le développement structurel plutôt que le développement culturel, c'est-à-dire de la propriété intellectuelle canadienne. Par exemple, si vous êtes en Colombie-Britannique, il y a énormément, mais quand je dis énormément, il y a énormément de production de services américaines et étrangères comparativement à la production canadienne. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas de la production canadienne, mais il y a beaucoup, beaucoup de production de services et c'est un choix politique, c'est un choix économique de la province de mettre l'accent là-dessus parce que ça crée des emplois. La seule chose, c'est que bon, ça fait quand même longtemps que ça existe et ça fait beaucoup de structures, mais ça fait peu de propriétés intellectuelles qui émanent de cette province. Prochaine diapo. Il y a aussi dans le portrait du financement des fonds publics et privés. Et le plus important partenariat public-privé, c'est naturellement le Fonds des médias du Canada, qui est surtout dédié à la télévision et au web. Mais c'est justement une partie des revenus des câbles distributeurs qui est matchée, en bon français, avec de l'argent public et qui fait un total d'environ 350 millions de dollars par année. C'est énorme et c'est surtout
C'est un fonds qui est alloué à des diffuseurs qui veulent l'utiliser selon certaines réglementations, mais qui ont quand même beaucoup de liberté sur le contenu des projets qui vont pousser de l'avant avec ce fonds-là. C'est un fonds qui est extrêmement efficace, je vous dirais, et qui rencontre certains enjeux parce que, comme vous savez, les gens ont tendance à se décabler en faveur du web. Donc, d'où l'importance, je pense, de ce qu'on entend de ce temps-ci du projet de loi C10, qui, entre autres choses, parce que c'est un projet de loi très vaste sur la radiodiffusion, vous souhaiterez, en tout cas, il y a une portion de ce projet de loi que les plateformes participent au financement de la production nationale, ce qui est un enjeu extrêmement important parce que, bon, le gouvernement soutient, que ce soit au niveau fédéral qu'au niveau provincial, soutient la production audiovisuelle canadienne en grande partie. Donc, c'est important qu'il y ait des sources de fonds qui viennent appuyer l'effort gouvernemental. Il y a d'autres genres de fonds. Il y a un fonds qui s'appelle le Fonds des talents, qui est un fonds de charité, qui est administré par Téléfilm Canada et qui finance le programme ou une partie du programme Talent en vue, l'ancien programme qui s'appelait Microbudget pour des premiers longs-métrages. Il y a des fonds complètement privés comme le Fonds Québécois, le Fonds Bell, le Fonds Rocket Shop, le Fonds indépendant de production, qui ont des spécificités particulières, comme par exemple le Fonds Rocket Shop. C'est un fonds qui s'adresse à des productions de jeunesse. Donc, si vous voulez faire un long-métrage qui s'adresse à des jeunes, c'est un fonds sur lequel vous pouvez faire une demande qui pourrait peut-être soutenir votre projet. Ensuite, l'autre source de financement qu'il peut y avoir, à la prochaine diapo, c'est la coproduction internationale. Cependant, la coproduction internationale, c'est une approche qui a des implications. Si on veut faire une coproduction, que ce soit interprovincial ou international, c'est le même genre de mécanisme jusqu'à un certain point, c'est qu'il faut définir les besoins réels de cette coproduction-là. Si ce n'est qu'un besoin financier, il faut voir que bon, la coproduction internationale implique de passer par un traité de coproduction internationale qui est géré par Téléfilm Canada et qui va faire en sorte qu'il y ait un partage de tous les aspects d'une production selon une proportionnalité qui est établie entre les coproducteurs. Par exemple, si vous faites une coproduction 20% Suisse et 80% Canada, donc on s'attend à ce que, c'est-à-dire les autorités qui vont livrer le certificat d'autorisation de la coproduction, qui s'appelle une certification, que ce soit du côté suisse et du côté canadien, qu'il y ait 20% des aspects créatifs qui soient suisses et 80% canadiens, 20% du contrôle du financement qui soit suisse et 80% canadien, 20-80% partage des revenus, des recettes et tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération parce qu'une coproduction, ça peut avoir d'énormes avantages, mais ça représente certains des avantages. Donc, il faut la mettre en place, il faut trouver un coproducteur parce que souvent, un long métrage, c'est quelque chose qui va s'étaler sur plusieurs années. Donc, c'est pas fly by night, comme on dit, il faut qu'on ait une chimie, tu sais, une ligne éditoriale de chacune des compagnies qui se complète pour que justement le partenariat aille de l'avant de bon train. Ça présente certaines, le partage, comme je disais tantôt, des droits de production, d'exploitation et des postes clés. Il y a des postes clés que vous ne voudrez pas vous départir, donc il faut voir avec votre futur producteur. Par contre, ça amène beaucoup d'avantages. Ça, à la prochaine diapo. Et le principal avantage, c'est que le film acquiert la double nationalité. Quand vous faites une coproduction avec la Suisse, bien, votre film en Suisse, il est suisse, et au Canada, il est canadien. Donc, ça veut dire que le producteur canadien de cette coproduction-là devient éligible à toutes les aides nationales du Canada, comme le producteur suisse devient éligible à toutes les aides nationales suisses. Et le film a la double nationalité. Donc, parce que vous savez, les diffuseurs ou les acheteurs de longs métrages, tout ça, ont, dépendamment des législations, certains quotas, tu sais, ils ne peuvent pas acheter. Si tu es un Canadien qui t'achète un film canadien, ce n'est pas le même prix que si tu achètes un film brésilien, tu sais, parce que c'est une acquisition qui est différente. C'est un film étranger, c'est un film canadien. Ils ont bonifié la feuille de route d'un diffuseur canadien parce qu'il achète du produit canadien. Ça a des impacts positifs sur son financement. Donc, le fait que vous êtes en coproduction avec la Suisse ne nuit pas à la nationalité canadienne du film. Le film est complètement canadien quand même. Ça, c'est un gros avantage.
Et dépendamment aussi d'avec quel pays vous faites une coproduction, parce que le Canada, depuis 2017, fait partie d'Eurimage. Eurimage, c'est un consortium de, on va dire, de 41 pays, et dont le Canada était le premier pays hors Europe, hors Grande Europe, à faire partie de ce groupe. Maintenant, je pense que l'Argentine en fait aussi partie. Donc, c'est assez intéressant. C'est un fonds qu'on pourrait dire supranational. C'est un fonds dont chaque pays membre contribue un certain montant et qui ne finance que des coproductions entre les pays membres. C'est-à-dire que ça peut être très intéressant comme un apport de production, surtout en toute fin de financement, parce que Eurimage, c'est un fonds d'appoint, c'est un fonds en anglais, on dit un top-up, c'est-à-dire qu'il vient à la fin du financement, il peut représenter un apport jusqu'à 500 000 euros. C'est quand même assez important sur un financement d'un long métrage. L'autre chose des coproductions, c'est qu'en général, on a vu, selon des études qui avaient été faites à l'époque à Téléfilm Canada, que les coproductions génèrent plus de revenus parce que ce sont des projets qui ont un aspect international qui est plus susceptible d'attirer des auditoires partout sur la planète. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en attirent pas sur leur territoire national, mais ils en attirent plus à l'international. Des quotas, on a parlé des tuteurs. Puis l'autre chose, l'avantage, c'est que quand on est en coproduction, parce qu'il faut être approuvé par les autorités nationales de chacun des pays pour avoir la certification, ils vont regarder justement les contrats de coproduction qui unissent les deux coproducteurs, dans lesquels les rôles et responsabilités doivent être bien définis pour que justement endiguer tout problème dans le futur, dans la fabrication du film. La prochaine. Oh. Pour trouver un partenaire, parce que c'est souvent ça l'enjeu d'une coproduction, c'est de trouver un coproducteur. C'est sûr qu'on peut aller sur des titres de films qui nous plaisent ou qui ont une ligne éditoriale similaire à la nôtre et de faire des approches, mais il y a des forums qui existent tant au Canada ou au Québec qu'à l'étranger. Au Québec, souvent, d'une manière, une rotation, il y a ce qu'on appelle les rendez-vous des cinémas francophones, les RCF, qui est un rassemblement de tous les pays francophones du Nord, si je peux dire, qui viennent à Montréal. C'est une année à Montréal, une année en Belgique, une année en France. C'est une rotation comme ça à travers les 5 pays du Nord francophone, où justement, c'est des échanges, des présentations de projets où les producteurs de chacun des pays ont l'opportunité de présenter une proposition sur laquelle ils recherchent un partenaire. Il y a aussi des forums qui existent dans des festivals majeurs au Canada, dont on va dire le Festival du Nouveau Cinéma à Montréal, où il y a un forum justement qui a la même vocation, c'est de trouver des partenaires éventuels pour faire une coproduction. Il y a le Festival de Toronto, qui est un festival extrêmement important sur la planète, où ils ont aussi l'opportunité de rencontrer de futurs partenaires. Et il y a des initiatives plus spécifiques, genre qui s'appelle Strategic Partners, qui a lieu en Nouvelle-Écosse, mais qui est en alternance justement avec un pays européen, une fois en Nouvelle-Écosse, une fois en Europe, qui est aussi un endroit pour rencontrer de potentiels coproducteurs. À l'étranger, effectivement, dans tous les festivals majeurs, il y a souvent un aspect forum ou un aspect marché qui vous donne l'opportunité de rencontrer des gens pour compléter un financement, pour trouver un coproducteur, pour faire un nouveau projet. Et ces occasions-là sont souvent, si vous vous qualifiez selon les programmes des divers de SODEC ou de Téléfilm, vous avez souvent un coup de main pour y assister en termes de défraiement des coûts de voyage séjour, dépendamment du projet et des critères liés à chaque événement. Prochaine, ça va. Quand à la préparation de cet atelier, Zahira m'avait dit que ça serait bien de parler de la production, mais aussi de d'autres aspects, genre la distribution et l'exploitation. C'est-à-dire que je vais en moindre mesure sur la distribution et l'exploitation, mais c'est effectivement, il y a des programmes qui existent à Téléfilm Canada et à la SODEC pour non seulement financer les films, mais s'assurer qu'ils sont vus au moins sur notre territoire. Et donc, à Téléfilm, il y a un fonds de distribution assez important, d'ailleurs très important, qui est dédié aux compagnies de distribution et qui peut financer jusqu'à 75% des coûts d'une campagne de mise en marché pour un film. Le 25% est assumé par les distributeurs. Le même programme peut aussi être accédé par des compagnies de production, mais dans une moindre mesure, jusqu'à 75% aussi des coûts admissibles, mais seulement jusqu'à 25 000 $.
ça devenait nécessaire d'avoir ce programme-là. Et il y a un programme similaire à la SODEC, lui qui couvre 80 % des coûts jusqu'à 50 000 $, qui est un programme qui est accessible aux distributeurs et aux producteurs sous certaines conditions. Je vous encourage à aller voir le programme. C'est juste ici, c'est des questions de principe, c'est des aides qui existent pour les compagnies de distribution et sous certaines conditions pour des compagnies de production. Parce que vous allez voir un peu plus loin dans les aides à la production, dépendamment du niveau du budgétaire auquel vous êtes en train de faire votre montage financier, des fois, il y a des distributeurs c'est obligatoire d'avoir un distributeur qui est attaché au projet. Et quand le budget est moins de 2,5 millions de $, ce n'est pas obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une stratégie de distribution. C'est pour cela que, d'ailleurs, il y a les fonds de distribution qui sont accessibles par des compagnies de production pour des films dont le budget est moindre, mais qui doivent tout de même aller rejoindre l'auditoire qu'ils se sont fixés. Pour les exploitants de salles, qui est à la prochaine diapo, il y a aussi des montants qui sont alloués, des formes d'aide qui sont allouées. Mais je dois dire d'une ampleur moindre, parce que bon, les propriétaires de salles, il y a eu un programme qui a été mis en place par Téléfilm Canada à l'époque où j'étais là, mais c'était vraiment il n'y a pas longtemps. Habituellement, les propriétaires de salles n'ont pas beaucoup de soutien étatique. Hein, ce sont des entreprises privées commerciales. Donc, depuis peu, il y a une aide à la promotion pour les propriétaires de salles, qui est un programme relativement automatique qui est basé sur le nombre d'auditoires de films canadiens projetés dans l'année précédente dans chaque salle, donc détermine un montant d'aide à ce propriétaire de salle-là. Ils ont aussi accès à un programme, depuis que le Canada fait partie de RIMAGE, il y a un programme spécifique à RIMAGE pour les propriétaires de salles, pour justement les aider à projeter du film européen. Parce que bon, la majorité des films en coproduction soutenus par Urgimage sont des films en coproduction avec un pays européen. C'est le même principe, c'est-à-dire c'est basé sur si vous avez un nombre X de projections de films européens, vous avez droit à un montant d'aide l'année subséquente. Et à la SODEC, il y a des aides plus ponctuelles qui sont des programmes un peu différents, mais qui sont bénéfiques pour les exploitants de salles. C'est de l'aide à la programmation régionale en dehors des grands centres. Et aussi de l'aide à la rénovation, parce qu'un exploitant de salle, c'est d'abord et avant tout un lieu physique. Donc, ça prend des aides de soutien, soit à la rénovation, à l'aménagement ou l'acquisition de nouvelles technologies pour projeter des films. Et il y a finalement aussi, à la prochaine diapo, des aides à la participation au festival et marchés internationaux. Comme je le disais tantôt, il y a des forums, notamment des forums de coproduction, où vous êtes invité au festival de Cannes ou au festival de Berlin, tout ça. Il y a quand le projet, votre long métrage, est invité, donc ça déclenche du financement chez les partenaires institutionnels pour vous aider à y aller. Puis quand vous êtes invité dans un forum de coproduction, ça déclenche aussi un autre genre de financement pour plus le voyage séjour. Donc, il y a des aides qui existent, il faut se renseigner sur les capacités, si vous êtes à la recherche de financement ou de partenaires pour faire un film en coproduction internationale, comment assister à ces forums. C'est sûr que cette année, tous les forums sont lieu par Zoom, donc ça a un certain avantage, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, mais ça n'a pas du tout la même facture parce que de rencontrer des gens en personne, c'est important, c'est des contacts humains qui font qu'en sorte vous allez vous trouver un associé pour les prochaines années pour votre film. Il y a aussi un programme pilote qui a été mis sur pied, qui est en révision au moment où on se parle, mais c'est un programme que Téléfilm a mis sur pied pour aider à vendre des produits canadiens. Mais ça, c'est un programme qui est en évolution au moment où on se parle. Je ne peux pas vous dire dans quelle évolution, parce que je ne travaille plus là, mais c'était très intéressant quand même de faire partie de ça. Alors, faire sa part, là, on va revenir plus au cœur du sujet, qui est l'aide à la production pour un producteur. Parce que bon, j'aurais peut-être dû le dire en entrée de jeu, les producteurs ne sont pas tous homogènes. Hein. Les producteurs de longs métrages, ça va de groupes assez structurés et intégrés, comme des compagnies qui font de la télévision, la série documentaire, de la série dramatique à la télévision, du long métrage, du web. Donc, ce sont des compagnies qui ont une envergure importante. Il y a des producteurs qui sont plus des producteurs qui sont vraiment dédiés au long métrage, qui ne font que du long métrage. Et qui sont des entrepreneurs culturels et donc qui vont développer plusieurs projets de long métrage
en même temps, de manière parallèle, parce qu'ils ne seront pas tous financés, on va le voir un peu plus loin, pour qu'éventuellement, il y en ait un qui soit financé pour amener de l'eau au moulin à leur corporation. Et il y a des cinéastes qui sont finalement des producteurs, réalisateurs et souvent scénaristes, qui sont les maîtres d'œuvre de la totalité du long-métrage. C'est-à-dire qu'ils sont leurs propres producteurs et réalisateurs. Et donc, ils ont, c'est des films souvent d'envergure budgétaire moindre, mais c'est un choix de faire du cinéma de cette façon-là. Il y a des gens qui ne veulent faire que du cinéma de cette manière-là. Il y a des gens qui sont plus enclins à avoir une compagnie qui va avoir une certaine croissance, puis il y a des gens qui vont avoir vraiment des groupes plus intégrés. Donc, ce n'est pas un producteur, ce n'est pas une figure unique. T'sais, il peut avoir différents aspects. Ce que je voulais illustrer ici par mettre une diapo sur l'aide à la production, c'est les structures de financement d'un long métrage. Puis là, j'ai mis des structures approximatives parce que, bon, chaque long métrage est un peu différent, mais ça vous donne quand même une idée. Parce que souvent, les programmes sont séparés pour les films dont le budget est de moins de 2,5 millions et les films dont le budget est plus de 2,5 millions. Ça se finance pas exactement. Ça se finance de la même manière, mais pas dans les mêmes montants. Et souvent, un film à 2,5 millions et moins, dans la réalité francophone, c'est un film qui est entre 1,4 et 1,8 millions de dollars. Parce que les 2,5, c'est dur de financer 2,5 millions de dollars parce que ça prend plus d'input financier privé. Mais un film qui n'a que 2,5 millions de dollars de budget, souvent, n'aura pas le casting ou le picture value, si on peut dire, qui va attirer un distributeur à mettre plus d'argent ou un distributeur étranger à mettre plus d'argent. Mais les choses ont tendance à bouger dans le financement aussi, ce n'est pas juste au niveau des plateformes. Donc, si on regarde la structure financière d'un film qui est un plus petit budget, donc Téléfilm Canada est à peu près entre 25 et 30 %, la SODEC participe d'une manière plus importante généralement. Il y a peu de fonds privés qui participent à ça. Il y avait le fonds Harold Greenberg, mais le fonds Harold Greenberg n'existe plus depuis cette année. Naturellement, il y a les crédits d'impôt du Québec et les crédits d'impôt fédéraux. Et il y a le producteur qui est là pour 6 % et un distributeur qui inclut les ventes de télévision sur le territoire canadien. Et comme je disais, il y a peu de minimum garantie étrangers qui vont faire partie du financement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vendeurs à l'étranger, mais il y a peu de vendeurs étrangers qui vont risquer de l'argent au moment du financement. Dans la colonne d'à côté, c'est plus des films d'une envergure plus importante budgétairement, où là, les Téléfilm Canada toujours aux alentours de 30 %, la SODEC toujours aux alentours de 30 % aussi. Et des fonds privés sont plus présents parce qu'il y a plus d'opportunités pour eux d'être présents. Les crédits d'impôt, ça ne bouge pas. Mais comme c'est en pourcentage, puisque le budget est plus important, donc le crédit d'impôt aussi est plus important. Et le producteur, il y a plus de partenaires, donc ça donne l'opportunité au producteur d'être moins en pourcentage à la structure de financement. Le distributeur canadien est là parce que sur des films qui ont plus d'ampleur budgétaire, il y a plus de capacité sur le territoire canadien d'aller chercher un vaste public et il y a plus de capacité à l'international. Ceci dit, un producteur, si vous demandez, on va dire, un pourcentage, un montant de, je ne sais pas moi, 1,2 million à Téléfilm Canada qui représente 32 % et qu'il vous donne 30 %, ben, il vous manque 2 %. C'est-à-dire que si chacun des partenaires financiers fait ça, à un moment donné, il y a un manque à gagner dans votre structure de financement. Parce que le but d'un producteur, c'est de ne pas mettre un sou dans le financement du film. Il veut garder des cachets et il veut capitaliser sa compagnie. Mais les choses étant ce qu'elles sont, c'est qu'à un moment donné, les financiers ne vont pas mettre exactement le montant demandé pour toutes sortes de raisons, ce qui fait qu'il y a un manque à gagner. Donc, le manque à gagner, c'est soit qu'on va trouver un autre partenaire financier, un commanditaire ou un investisseur privé ou quelque chose de ce genre-là, ou on va baisser le budget, si c'est possible, ou si ce n'est pas possible, mais on va être obligé de mettre l'argent soi-même. Donc, le producteur va être obligé de contribuer. C'était surtout ça que je voulais vous montrer par cette structure financière-là. Puis, il y avait une chose à noter aussi, parce que la SODEC a fait un effort assez important cette année. En temps de pandémie, ils ont mis beaucoup de sous. Ça tombait bien parce que le gouvernement Legault a mis plus d'argent dans le cinéma cette année. Donc, il y avait une opportunité pour combler des structures de financement parce que la COVID a généré des coûts supplémentaires. Et il y avait aussi des problèmes de financement structurel comme tel dans les films. Donc, je pense que ça a été une très, très bonne chose. Mais, si on revient à nos moutons, donc le producteur doit participer en règle générale au financement du film. Si on voit la prochaine diapo,
Je me disais, tu sais, parce que si la plupart d'entre vous allez être, j'imagine, des producteurs à un moment donné, et un producteur, comme je disais, c'est un entrepreneur. Ça peut être différents types d'entrepreneurs, mais grosso modo, c'est un entrepreneur culturel. Donc, il y a une compagnie. Parce que comme on l'a vu dans la répartition de ceux qui financent le long métrage, la plupart des programmes, sinon tous, s'adressent à des corporations. Hein, ça fait que donc, il faut s'incorporer. S'incorporer, c'est d'avoir une compagnie et minimalement une compagnie. J'ai vérifié les chiffres avec certains collègues. Tu sais, ça prend, tu as un loyer, donc tu as des coûts fixes, tu as des salaires, ça prend un comptable, même si c'est à temps partiel, ça prend un comptable pareil, parce qu'une compagnie dit comptabilité, ça te prend une photocopieuse, ça te prend ci, ça te prend ça, ça prend un assistant pour faire le travail, puis tout ça. Donc, ça prend un certain minimum de salaire et ça prend aussi, comme toi, comme producteur, il faut aussi que tu sois payé. Tu sais, puis là, je mets 1000 $ par semaine, mais tu sais, ça peut être moins que ça. Mais tout ça, pour l'exemple, ça faisait à peu près 15 000 $ par mois ou 180 000 $ par année. Puis là, on n'a pas d'argent pour développer de projet. Parce qu'une chose qui est importante à réaliser, c'est que l'actif le plus important d'une compagnie de production, c'est sa relation avec des créateurs. Pas de créateurs, pas de films, pas de compagnie. Je veux dire, c'est ça la base. Donc, pour avoir des créateurs, il faut développer des projets. Donc, il faut avoir accès à de l'argent en production. Là, ici, le portrait que j'ai fait de la compagnie, on n'a même pas d'argent pour développer. On a juste de l'argent pour avoir pignon sur rue, pour avoir une compagnie. Donc, ça prend 180 000 $. Comment est-ce que la compagnie va générer l'argent qu'il faut pour payer le loyer? Donc, ça, c'est à la prochaine. Donc, il y a trois sources de revenus en production. Quand quelqu'un fait du long métrage ou fait de l'audiovisuel en général. La première source de revenus, ça s'appelle des revenus de production. Les revenus de production, c'est les revenus qu'on fait à la fabrication du film. Hein? C'est un pourcentage du budget de production. Un budget de production, le budget type canadien, c'est un budget qui est séparé en quatre portions, A, B, C, D. A étant les créateurs et le producteur, B étant tout ce qui est les coûts de tournage, C étant les coûts de post-production et D, c'est tous les frais financiers, les assurances, les frais légaux et les cachets de la compagnie. Donc, en général, les cachets qui vont à la compagnie sont répartis en deux. Il y a 10 % de la section de tournage et de post-prod, donc du BC, qui sert pour les frais d'administration des compagnies et 10 % du BC, le même chiffre, qui va au cachet du producteur. Sauf que, bon, il ne faut pas s'énerver parce que ça peut apparaître beaucoup. Sauf que dans le post-producteur, c'est tous les producteurs qui sont là. Parce que, tu sais, il peut y avoir le producteur propriétaire de la compagnie, puis il y a le producteur délégué qui va être sur le plateau de tournage, puis il y a le producteur exécutif qui est un producteur qui a aidé à monter de l'argent ou à faire le financement, ou qui est propriétaire de la compagnie aussi et qui a engagé un producteur pour faire le produit qui, lui, n'est pas propriétaire de la compagnie. Mais ceux qui ne sont pas propriétaires de la compagnie, il faut les payer. Hein? Donc, la location qui va au poste producteur ne va pas complètement à la compagnie puisqu'il y a des gens qui sont salariés pour le temps de la production qui font partie de ce poste budgétaire-là. Dans le poste frais d'administration, il y a aussi 10 % qui va là, mais il y a aussi des frais qui sont liés à l'administration de la production et à l'administration de la compagnie mère qu'on appelle parce que souvent, pour bénéficier d'un crédit d'impôt, les compagnies de production vont créer une entité spécifique pour le film. De sorte que quand le film, le tournage est fini, il ferme la compagnie pour pouvoir réclamer le crédit d'impôt fait partie du cycle du financement fiscal. Donc, l'autre chose, c'est qu'une portion de ces cachets-là, comme on l'a vu tantôt à la structure de financement, tu sais, s'il manque de l'argent, si un financier met moins d'argent que prévu, que vous avez demandé, il va falloir combler le manque à gagner. Et il va venir d'où ce manque à gagner? Il va venir de la compagnie de production. Et il va venir d'où? Il va venir justement des cachets qui sont alloués. Ça fait que ça donne aussi une pression supplémentaire pour la compagnie. Et finalement, l'autre chose qui peut arriver, qui n'est pas une perte d'argent, mais qui est une perte de liquidité temporaire, c'est que si vous n'avez pas de garant de bonne fin pour la production, ce qui est généralement le cas en français, parce que c'est plus une pratique anglophone, mais c'est un film qui est relativement risqué. On va dire que vous avez un tournage qui se passe aux Îles-de-la-Madeleine, vous êtes souvent en bateau, tu sais, ce n'est pas la même chose qu'un tournage qui est en studio sur les 20 jours de tournage. Donc, il y a plus de risques. Donc, ça se peut que vous dépensiez vos imprévus parce qu'il y a eu un problème météorologique quelconque ou qu'il y a eu des pannes de moteur de bateau ou whatever. Là. Ça se peut que vous étiez en situation problématique. Et là,
S'il n'y a pas de garant de bonne fin, parce qu'un garant de bonne fin, c'est une corporation qui est là pour assurer la bonne fin du film, hein, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, donc assurer la livraison des éléments au distributeur à la date que c'est supposé être livré. Et c'est lui qui va prendre en charge la production si vous avez un problème financier majeur. Sauf que, bon, dans la pratique francophone, les producteurs ont beaucoup d'expérience et il y a une pratique où on emploie moins de garanties de bonne fin que dans le système anglophone. Par contre, si vous avez une banque qui fait partie des financiers, souvent la banque, elle va la demander. S'il y en a un des partenaires qui la demande, tout le monde va la demander. Mais si vous n'en avez pas, mais que la livraison, la production représente un certain risque, il se peut que vos financiers disent, écoutez, Michel, notre producteur, vous avez un cachet qui est prévu, supposé de 100 000 $, mais on va le mettre de côté, on va le mettre à la banque. Vous allez le mettre dans un compte de réserve parce qu'on craint, à cause d'un petit niveau de risque de la production, que vous dépassiez vos imprévus et on veut s'assurer qu'il va y avoir de l'argent pour couvrir l'excédent. Donc, on va dégager votre salaire de 100 000 $ au fur et à mesure que la production va avancer dans le temps. Donc, le risque va diminuer, donc on va vous dégager votre salaire de manière proportionnelle. Comme ça, c'est ça que ça sert. Donc, vous voyez, le cachet de la compagnie sert à beaucoup de choses, sauf à capitaliser la compagnie, tu sais, c'est que, entre autres choses. Les autres sources de revenus, il y en a deux autres, c'est naturellement, c'est la prochaine diapo, c'est les ventes. Hein? Les ventes sur le territoire canadien et les ventes sur le territoire hors Canada. On va y revenir, il y a des diapos plus détaillées qui suivent, là. Mais c'est juste pour noter que quand on fait une vente, il y a des coûts liés à une vente. Hein. C'est souvent un agent de vente ou un distributeur qui fait la vente, il prend une commission, il y a des dépenses de promotion ou de publicité. Ces dépenses-là sont liées au territoire. Les territoires sont séparés pour la majorité des investisseurs en le territoire national, donc le Canada, et les territoires non nationaux, donc le reste du monde. Les dépenses qui sont effectuées pour une vente sur le reste du monde ne peuvent pas être imputées contre les revenus canadiens et vice-versa. Parce que sinon, ça ferait des bases communiquant trop facilement ou, les revenus ne reflèteraient pas leur provenance. C'est parce que justement, les dépenses seraient facturées à l'autre territoire et c'est ce qu'on veut éviter parce que chacun des territoires habituellement a un minimum garanti spécifique et on veut justement que les dépenses soient vraiment allouées, restent attachées au territoire où elles sont, où elles ont été effectuées. Prochaine diapo, les revenus de production. Je vais revenir aux trois groupes de revenus. Donc, on l'a dit tantôt, puis là, je voulais mettre un exemple plus tangible. Là. On va dire qu'on fait un film de 2,5 millions, qui est plutôt rare parce que c'est plus 1,5 million, mais on va dire qu'on fait 2,5 millions pour les fins de l'exercice. La section B et C du budget représente en général à peu près 65 % du coût du film. Donc, si on prend 10 % de ça, ça fait 162 500 $ pour le poste producteur et 162 500 $ pour le frais d'administration. Donc, 325 000 $. Comme je disais tantôt, il y a beaucoup de choses qui peuvent être facturées sur ces deux postes budgétaires-là, donc ce n'est pas net à la compagnie. Hein? Mais disons que on est dans un cas spécifique puis que ce 325 000 $-là, il n'est pas impacté par d'autres. Il y a juste un producteur, c'est le producteur propriétaire de la compagnie. Il ne fait pas de voyage séjour, il n'y a pas d'assistant. C'est que ça va bien, c'est qu'il garde la totalité du cachet de producteur et il n'est pas obligé de payer un producteur délégué. Puis dans les frais d'administration, il n'y a pas beaucoup de dépenses qui sont faites de ce poste budgétaire-là. Donc, il y a le 325 000 $. Cependant, comme on a vu à la structure de financement, souvent, en moyenne, il y a à peu près entre 3 et 5 % du coût du film qui est imputé au producteur. Donc, le producteur doit couvrir ces coûts-là et donc faire partie de la structure de financement. Donc, s'il y a 325 000 $ puis que 5 % d'un film à 2,5 millions, ça représente 125 000 $. C'est-à-dire qu'on vient tout de suite de descendre à 200 000 $ qui reste à la compagnie. Puis ça, c'est dans une situation où il n'y a pas d'autres dépenses, ce qui est plutôt rare. Et ce 200 000 $-là, ben, tu sais, un film, un long métrage, ça prend quelques années minimum à mettre en place. Donc, si on répartit le salaire sur les années que ça vous a pris à faire ce long métrage-là, ce n'est pas tellement payant pour la compagnie. T'sais, on s'entend que le 180 000 $ qu'on cherchait tantôt, là, ça va prendre un certain temps avant, tu sais, ça va être difficile. Donc, on va regarder, est-ce qu'il y a d'autres revenus? Donc, les revenus sur le territoire canadien, qui est à la prochaine diapo. La prochaine diapo, bon, c'est les revenus canadiens. Puis, tu sais, je veux juste, au Canada, au Québec, on va dire, il y a des films qui marchent mieux qu'au Canada anglais, je dois dire. Tu sais,
le cinéma québécois est populaire à sa population parce qu'il y a des grandes comédies. Puis ça, les grandes comédies ont un effet d'entraînement sur toute la cinématographie canadienne, sur toute la cinématographie québécoise. Tu sais, quand tu vas voir De Père en Flic, ça te donne le goût de faire voir un film québécois, puis tu vas peut-être, comme spectateur, vouloir risquer d'aller voir un film qui est moins dans la braquette populaire, si tu veux, mais qui est néanmoins québécois parce que ça dénote une fierté nationale, dire on va aller voir notre cinématographie. Ceci dit, quand on voit les chiffres dans les journaux, tu dis, ah, le film, il a fait 1 million de box-office. Oui, c'est extraordinaire de faire 1 million de box-office au Québec. Surtout, on a une population francophone qui est quoi, 7 millions et demi à peu près. T'sais, quand tu fais 1 million de box-office, là, c'est vraiment bien. C'est vraiment extraordinaire. Sauf que de manière économique, qu'est-ce que ça veut dire 1 million de box-office? Il faut savoir que les propriétaires de salles, il faut qu'ils payent le loyer, eux autres aussi. Et la pratique, en général, c'est qu'ils vont prendre entre 40 et 50 % du box-office pour eux. Donc, là, le million, il vient de baisser de 400 000 $. Le distributeur, qui est celui qui a vendu et qui a placé le film dans ces salles-là, il aussi, c'est une business, il faut qu'il sorte. Donc, il y a des frais de commission qui sont en général de l'ordre d'environ 35 % sur le sol, donc sur le 600 000. Donc, ça fait 210 000 $. Le distributeur, pour aider au financement du film, va souvent mettre ce qu'on appelle un MG, un minimum garanti, donc une avance sur les futures ventes pour aider le producteur à compléter son financement du film, comme on a vu dans les structures de financière. Pour dans un cas, on va dire, d'un film de 2,5 millions, 3 millions de dollars, il va mettre quelque chose entre, on va dire, 100 à 200 000 $. Pour les fins d'exercice, j'ai mis 200 000 $. Puis quand c'est des films qui ont des gros budgets, il va mettre plus que ça. Ça dépend. Ça, c'est un autre, c'est le sujet d'un autre match de classe, là, la distribution, dans le sens que, bon, c'est un marché qui est évolutif. Mais pour des fins d'exercice, disons qu'il met 200 000 $. Il y a eu des coûts de promotion qui sont subventionnés par Téléfilm et par la SODEC, mais il faut les rembourser, ces coûts de production-là, à Téléfilm notamment. Tu sais, ce n'est pas un don, là, ça. C'est de l'argent qui est prêté aux distributeurs contre des revenus. Donc, s'il y a eu une campagne de promotion de 300 000 $ qui était assumée en bonne partie par Téléfilm, mais en bonne partie par le distributeur aussi, il doit se récupérer. Donc, il se récupère. Donc, si on additionne ce qui reste du 600 000, tu sais, on est dans le trou, là, en bon français. On n'a pas couvert nos frais. Malgré qu'on a eu un box-office important, 1 million de $, c'est pas n'importe quoi. Bon, il y a d'autres choses sur le territoire canadien. On peut vendre, tu sais, là on est à moins 110 000 $. On peut vendre à des télévisions généralistes, tu sais, à Radio-Canada, qui achète des films québécois, à TVA, tu vois. En général, c'est à peu près 125 000 $. Ou c'était 125 000 $, c'est un milieu qui évolue aussi. Puis on peut le vendre, on va dire, dans le temps, super écran, chaîne spécialisée, maintenant c'est Crave français, on va dire pour 75 000 $. Mais là aussi, celui qui fait la vente, c'est le distributeur. Donc, il prend une commission là-dessus qui est en général à peu près de 25 %. Donc, 50 000 $ sur le 200 000 $. Donc, et puis, vous avez vos coûts de promotion là, que vous n'avez pas amortis sur votre sortie salle. Donc, il faut les couvrir aussi avec ça. Donc, ce qui reste du 200 000 $ de vente de télévision, moins les 50 000 de commission pour les faire, qui reste 150 000 $ mais vous avez 110 000 $ de non payés des coûts de promotion, qui ont d'ailleurs, les coûts de promotion ne servent pas qu'à la salle, servent à tous les médias. Il vous reste 40 000 $ pour le producteur. C'est ce qui revient au producteur. Puis, je mets en parenthèse, ayant droit, hein, parce que ce n'est pas juste le producteur qui va prendre l'argent. C'est aussi ceux qui ont financé le film. Donc, ça vous donne une idée du territoire canadien. Ce n'est pas toujours dans des cas comme ça. Quand on va dire que tu as un père en flic qui sort, qui fait 6 millions de box-office, c'est sûr que les chiffres sont différents. T'sais, là, tu es plus en profit. Mais tu ne fais pas du profit tu fais pas assez d'argent pour rembourser le coût du film. On s'entend, pour rembourser le coût du film, il faut que tu fasses vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de ventes sur le territoire canadien, et c'est presque impossible. Je pense qu'il y a un film, c'est Meatball, là, qui a fait un film il y a très longtemps, qui a rentré ses coûts, mais les coûts n'étaient pas les mêmes non plus. Donc, ça, on va sur les revenus hors Canada. Et vous savez, les chiffres que je donne, c'est à titre d'exemple, c'est pour illustrer la mécanique. Dans les revenus hors Canada, il y a aussi soit un agent de vente, soit un distributeur étranger qui est en charge de faire les ventes, qui a mis ou non une avance pour le financement du film avec le producteur. Quand c'est un film à plus petit budget, généralement, il n'y aura pas d'avance. Quand c'est un film à plus grand budget, ça dépend du film. S'il y a vraiment une capacité commerciale, il va peut-être mettre une avance. La commission est en général d'environ 25 %, mais ça aussi, c'est en évolution. Et il y a une limite des dépenses qui est à peu près 10 % du prix de la vente qui a été faite.
Donc, si on compare au territoire canadien, il y a moins d'intervenants qui perçoivent une part des revenus, donc potentiellement, il y a plus de revenus qui viendraient aux producteurs. Puis, comme il y a eu, j'ai écouté une émission à la radio il y a 2 ou 3 jours où on parlait que justement le dernier film de Ricardo Trogi a été vendu à Netflix. Netflix a pris tout. Tu sais, il va avoir une sortie en salle cet été, qu'il disait, pour le Québec. Et après ça, il y a une sortie sur Netflix hors Canada, donc c'est géolocalisé, donc il n'y aura pas de conflit pour les auditoires. Mais c'est une vente qui couvre le monde entier, donc c'est une vente assez lucrative qui est bonne pour le producteur. Mais ça, encore faut-il que ce soit des films qui ont un potentiel de vente international. Et ça ne veut pas dire que c'est des films commerciaux. Ça veut dire dans la stricte facture du mot, un film d'auteur qui a un appel universel peut être un très bon vendeur. Crazy, ça a très, très bien marché. Incendie, c'est des films qui ont très bien marché en français. C'est sûr qu'il y a d'autres choses qui peuvent venir impacter les revenus internationaux. Généralement, pour des films qui sont faits en anglais et qui sont en coproduction, puis il y en a qui sont faits au Québec. Hein, le Québec ne fait pas que du film francophone. D'ailleurs, le Québec fait beaucoup de films en anglais. Dans la structure financière, souvent, il va y avoir ce qu'on appelle du crédit d'anticipation des revenus internationaux ou du gap financing. Le gap, il porte bien son nom en anglais, c'est ce qui manque. Hein. Vous faites un film, on va dire, vous faites un film qui coûte 5 millions de dollars. Tous vos financiers se sont prononcés. Mais il manque quand même 500 000 $ pour compléter la structure financière du film. En tant que producteur, je peux dire, ouais, je pourrais le mettre parce que sur un film de 5 millions, peut-être que je vais aller dégager des frais d'administration à cachet producteur de 500 000 $ Mais si je le mets dans le film, moi, je n'ai plus d'argent pour la compagnie. Tu sais, le but d'un producteur, c'est de ne pas investir dans la fabrication du film, c'est de garder ça dans sa compagnie pour la capitaliser. Donc, il va dire, est-ce que je prends la chance de moi le payer? Si je ne suis pas capable de trouver un autre partenaire financier pour combler ces deux choses-là, je peux aller voir ces gens-là qui sont des gap financiers, qui sont souvent dans des fonds de risque ou des banques, qui vont dire, OK, tu es dans une situation où il te manque ton 500 000 $ pour finaliser ta structure de financement. On va te le passer à condition qu'on soit les premiers remboursés. T'sais, donc, moi, je vais mettre 500 000 $ dedans, mais les premiers 500 000 $ nets, donc, les 500 000 $ qui vont au producteur vont venir amoindrir le gap. C'est sûr que pour les autres financiers, c'est moins intéressant parce que la plupart des revenus vont être encaissés par ce mécanisme-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de négociations de ce qu'on appelle des corridors, de dire, OK, mais sur chaque dollar, on va avoir 5% qui vont venir aux investisseurs et aux producteurs, ou 10% ou 20%, dépendamment de la négociation qui a lieu. Mais c'est sûr que le gap, c'est une mécanique qui est plus anglophone. Ça vient mettre la main sur la plupart des revenus qui sont générés à l'international. Donc, on a nos 3 sources de revenus. Hein? Fait que, si on revient à, c'est-à-dire si on va à la prochaine diapo, on peut voir que bon, les revenus qui proviennent du Canada en termes de capitalisation de la compagnie de production, à cause du nombre d'intervenants, à cause de la difficulté, parce que c'est quand même le Canada, c'est 33 millions de personnes, puis si on parle du Canada français, c'est encore moins. Donc, tu sais, je veux dire, pour générer des revenus, il faut qu'il y ait de la population. Donc, le Canada n'est peut-être pas la meilleure source de revenus. Si on a un film qui a un potentiel à l'international, ça peut être assez intéressant, dépendamment de la structure de financement, si UMG, si un gap, c'est des choses qu'on vient de parler. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que les revenus qui arrivent aux producteurs, après tous ces intervenants-là, que ce soit sur le marché canadien ou le marché international, ou que c'est des revenus de production, pas des revenus de production, mais des revenus de vente, ils devront être répartis entre les ayants droit, donc les investisseurs au film, donc Téléfilm, la Sodec et les investisseurs privés. C'est que si un dollar de revenus qui arrive au producteur, ça ne veut pas dire que ça s'en va dans sa compagnie. Ça veut dire que ça va être réparti et c'est ce qui est dédié à lui pour aller dans sa compagnie. En français, les structures de récupération sont réparties 50-50 sur le premier dollar. C'est-à-dire le premier palier de récupération va être séparé 50-50. 50% pour le producteur, 50% pour les ayants droit. Donc, 50% qui va être séparé entre Téléfilm, Sodec et les investisseurs privés selon leur prorata d'investissement. Si c'est un film en anglais, il va être réparti au prorata des investissements. Point.
Pourquoi il y a une différence? Parce que justement, le marché francophone, notamment à l'international, est un marché plus difficile. Donc, on dit, ben, si on sépare ça au prorata tel quel, ça va être difficile pour des producteurs québécois d'aller chercher sur le film francophone un input financier de revenus internationaux. Donc, on a dit, écoutez, puis c'est aussi une condition qui était liée au crédit d'impôt parce que le palier 50-50 est au double de la participation du crédit d'impôt des investissements du producteur. Ça, ça devient un peu technique, mais disons, c'est 50-50. Donc, si on revient, si on revient à la prochaine diapo, c'est qu'on a vu que, bon, finalement, les revenus de production, donc, qui sont générés à la compagnie lors de la fabrication du film, sont ceux qui assurent un peu plus de stabilité à la compagnie, tu sais, qui vont dire ça. D'où l'importance d'en investir le moins possible dans la structure de financement, parce que les autres, qu'ils soient canadiens ou internationaux, ont des chances de se concrétiser, mais c'est plus risqué, si on veut. Donc, mais qui dit revenu de production, dit production financée. Donc, pour que tu aies des revenus de production, il faut que ta production aille de l'avant. Donc, il faut que tu aies des partenaires financiers. Donc, il faut que tu aies été soutenu par téléphone, la SEDEC, les fonds privés, etc. Le système de financement actuel, c'est des comités décisionnels, c'est des jurys, mais en tout cas, c'est un comité décisionnel. Hier, il y avait la présentation des nouveaux programmes de Téléfilm Canada pour l'année qui vient. Et ils disaient justement, ils mettent en place des comités décisionnels pour prendre des décisions de long métrage. Et donc, il faut pour se faire financer, être très compétitif parce que, bon, tu sais, il y a beaucoup de compagnies qui font du long métrage au Québec. Il y a 3 ans, il y avait un décompte qui avait été fait dans les programmes qui existaient à l'époque à Téléfilm Canada où pour avoir accès à des fonds de développement, il fallait que la compagnie ait produit et diffusé un film dans les derniers 5 ans. Il y avait 100 compagnies qui se qualifiaient. Donc, 100 compagnies, c'est beaucoup de compagnies en long métrage. Et puis, juste si on fait la mathématique simple, si on dit que chaque compagnie, pour avoir pignon sur rue, doit avoir 180 000 $ c'est de coût fixe, là, comme on disait tantôt. Puis, pour avoir 180 000 $ il faut qu'elle fasse un film de 2,5 millions de $ Ben, 2,5 millions de $ fois 100 compagnies, ça fait 250 millions de $ Donc, il n'y a pas ce montant-là de disponible en équité entre Téléfilm et la SODEC en français pour faire ça. Donc, il y a plus de joueurs que d'argent. Donc, si un producteur compte sur ses revenus de production qui sont la manière la plus sécure d'avoir un financement, il faut qu'il soit financé. Et donc, le financement comme tel, comme c'est des mesures, des décisions de projet par projet, il n'y a pas de sécurité ou de prévisibilité à être financé année après année. Donc, c'est sûr que les producteurs ne sont pas tous égaux, ils ne présentent pas tous le même genre de projet, ils n'ont pas tous le même track record, en bon français, la même capacité de livrer des films. Mais néanmoins, ça présente une imprévisibilité de financement et un risque pour leur compagnie. C'est dur de faire un plan stratégique pluriannuel quand tu vas voir ton banquier. Tu dis, ben, je voudrais faire telle affaire. Tu vas dire, quels sont vos revenus? Ben, là, ça dépend si je suis financé à la prochaine ronde de décision dans les institutions. C'est dur de convaincre un banquier avec des arguments comme ça. Fait que, si on voit la prochaine diapo, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, je veux dire, c'est mon opinion, ce n'est pas, je ne mets pas en cause, c'est simplement mon humble opinion, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il faut trouver un moyen, si on va dans les sources de revenus potentiels, donc dans les revenus de production, il faut trouver le moyen que les partenaires financiers maximisent leur contribution film par film, de sorte à ce que le producteur investisse moins ou pas du tout, pour que l'argent reste dans la compagnie, si le film est financé. Il faut aussi diversifier, augmenter le volume de production. Mais comme je disais tantôt, les producteurs ne sont pas tous pareils. Tu sais, je veux dire, il y a des maisons de production qui vont dire, oui, je vais faire 2-3 courts-métrages, un long-métrage, une série web, je vais faire la variété du documentaire pour payer le loyer, parce que c'est ça qu'il faut que je fasse pour générer assez de revenus de production, justement, pour rester en vie corporativement. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ce désir-là. Mais c'est une solution à combler, justement, le manque de revenus de production. Il y a aussi des choses qui pourraient être faites, tu sais, qui pourraient être
demandé de faire des représentations, si c'est, mais comme je dis, c'est mon opinion, mais peut-être si les crédits d'impôt, c'est un remboursement de dépenses, c'est une mesure automatique. Hein? Tu as fait une dépense, tu vas avoir un crédit d'impôt. Tu as fait une dépense de production en main-d'œuvre, tu vas avoir un remboursement. Si le crédit d'impôt va complètement à la fabrication du film, donc c'est bien, ça te fait un partenaire financier. Mais comme c'est une mesure automatique, il serait intéressant de modéliser, est-ce qu'il n'y aurait pas une portion de ces crédits d'impôt qui ne devrait pas rester dans la corporation pour l'aider justement à développer des projets pour se garder en vie, pour devenir compétitif et patati et patata. Sauf que bon, s'il y a une portion du crédit d'impôt qui reste dans la compagnie de production, donc qui ne sera pas dans la structure de financement du film, quelqu'un va devoir l'assumer. Si c'est le producteur, ça revient du pareil au même, donc on n'a rien changé. Donc, il faut que ça soit des investisseurs privés, soit des investisseurs publics. Si c'est des investisseurs publics, ils ont des budgets limités, c'est que s'ils remplacent une portion du crédit d'impôt, forcément, ils vont financer moins de films. Peut-être que les compagnies seraient plus en santé, mais il va y avoir moins de films. C'est que c'est une conséquence, puis c'est des choix qui sont difficiles à faire. L'autre chose qu'on peut regarder aussi, c'est définir une portion du financement en production, parce qu'on vient de parler du développement, mais en production selon des critères plus corporatifs. Parce que une compagnie, comme je disais tantôt, les producteurs ne sont pas tous similaires. Tu sais, il y a différents types de maisons de production et peut-être il y aurait différents types d'aide à envisager pour ces maisons-là, dépendamment de où ils sont dans leur développement corporatif et dans leur carrière. L'autre chose qu'on peut regarder, c'est les revenus de vente. Avoir des programmes de promotion pour des marchés internationaux. Il y en a des programmes pilotes qui existent à Téléfilm et à la Sénèque, mais peut-être avoir des programmes qui sont plus agressifs sur la vente internationale pour aider le film québécois, notamment, à se positionner de manière plus commerciale. C'est pas juste, il y a les festivals, c'est bon, parce que quand tu as un prix à un festival, ça déclenche automatiquement des ventes, c'est très bon. Mais il y a des films qui ne sont pas tous des films de festival qui pourraient faire des carrières internationales, il faudra avoir des supports pour ça aussi. Puis peut-être songer à établir des incitatifs corporatifs pour vente internationale. Des incitatifs corporatifs, ce n'est pas tellement compliqué. Si tu fais une vente internationale, tu vas en garder une proportion plus importante que ta proportion de financement. T'sais. Mais forcément, si on fait ça, il y a quelqu'un qui va laisser une portion en faveur du producteur. Donc, ce sont des choix politiques ou des choix pour avoir un impact positif sur les compagnies. Comme je vous dis, ce ne sont que des idées, mais il faut, je pense qu'on va rentrer dans un cycle qui est plus important, il y a des nouveaux joueurs, des plateformes qui commencent à acheter du long-métrage et tout ça sur l'international. Puis il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui se cognent aux portes des institutions pour se faire financer. Donc, il faut voir est-ce qu'on doit adresser tous ceux qui cognent à la porte de la même manière ou avoir une vision qui est plus modulée. Ce qui fait d'ailleurs partie de la dernière slide, la dernière diapo. Parce que finalement, j'avais été... Téléfilm Canada a été fondé en 1967, puis je pense que la SODEC ou la SOGIC, l'ancêtre de la SOGIC a été fondée dans les mêmes années, dans les années 60-70, parce qu'à l'époque, il n'y avait que l'ONF qui existait et les diffuseurs. Hein, c'était là que la production se faisait. Et le vœu du gouvernement ou des paliers du gouvernement, c'était de mettre une industrie indépendante sur pied. Ça fait plus de 50 ans maintenant que ces démarches-là ont été entamées et on a vraiment une industrie qui est vraiment très, très solide, très prospère, autant pour la portion de l'industrie qui fait de la production de services. Ça a fait qu'on a des studios extraordinaires, le studio Mills à Montréal ou des studios Pine à Toronto. On a des infrastructures importantes, des laboratoires de post-production, d'effets spéciaux très, très mondialement compétitifs. On a des réalisateurs, des acteurs, des techniciens de haut niveau qui sont reconnus mondialement. Le film, nos films québécois sont dans la plupart des festivals. Vraiment, tu sais, l'industrie n'est plus naissante. L'industrie est mature, tu sais, à bien des égards. Et comme je disais tantôt, les maisons de production ne sont pas tous pareilles. Tu sais, ça va des gros groupes intégrés aux cinéastes incorporés. Donc, je pense qu'il y a moyen, c'est un moment peut-être propice à se poser des questions. Comment on peut aider ces compagnies-là? De quelle manière? Et est-ce qu'on peut le faire de manière asymétrique pour répondre aux besoins qui sont peut-être différents entre un cinéaste qui s'incorpore et une compagnie qui est intégrée? Parce que justement, on n'est plus au stade de mettre sur pied une industrie. L'industrie existe et elle est assez vibrante. Alors, voilà, c'est ce qui complète la petite présentation. Merci.
Merci énormément, Michel Pradier, pour toutes ces informations si importantes et pertinentes pour le cours d'économie du cinéma et des médias. Merci pour partager avec nous toutes ces connaissances générales, mais si importantes par rapport à l'industrie, surtout à un jeu économie industrielle. Économique et industriel du cinéma. Je pense que c'est le moment du cinéma au Canada, mais aussi au Québec, dans le contexte québécois. C'est le moment pour commencer les questions. J'invite aux étudiants, même si vous voulez comme ouvrir le micro, et c'est possible pour vous de le faire pour poser votre question. Sinon, je pense que j'ai une question pour commencer la discussion. La situation est en fait difficile, non? Et la grande question, du point de vue du financement pour le cinéma, la grande question est dans le contexte de travail ou de l'emploi en général des créatives, de ces économies créatives ou du cinéma dans le contexte des économies créatives et des industries créatives. Comme vous disiez, Michel, comment on peut payer le loyer? Donc, je voulais juste vous demander les revenus que vous disiez qui restaient dans la compagnie. Est-ce que ça se traduit en termes de salaire ou c'est comme quel type de revenus reste dans la compagnie et aussi comment équilibrer? Vous nous avez demandé de donner quelques exemples à la fin dans la conclusion, parce qu'en fait, c'est une industrie vibrante avec beaucoup de produits culturels et de films intéressants. Mais est-ce que vous donnez, quand vous parlez de, par exemple, d'incentives corporatifs, est-ce que ça veut dire le travail, par exemple, dans les productions étrangères avec un financement privé? Et si vous pouvez comme élaborer un peu plus, j'aimerais savoir un peu plus. Oui, bien, écoutez, oui, ça se peut. Tu sais, personne ne peut. Il n'y a rien qui empêche de faire quoi que ce soit. Mais je dirais, il y a des. C'est vrai que c'est une situation extrêmement difficile pour des compagnies. Parce qu'il y a des compagnies, il y a des gens que je connais qui sont producteurs depuis, tu sais, depuis 20 ans et puis qui. Parce qu'ils n'ont pas eu de financement, leur film n'a pas été financé depuis un an ou deux, ben, ils sont obligés de fermer leur bureau et ils travaillent à la maison. Tu sais, je veux dire, c'est pas à cause de la COVID, c'est à cause qu'ils n'ont plus qu'à payer le loyer. Tu sais, c'est qu'ils sont, tu sais, donc, oui, on peut diversifier ces sources de financement, ces sources de revenus en faisant de la production de services, en faisant de la coproduction minoritaire, en faisant du documentaire, en faisant d'autres types de produits qui ont d'autres types de financement. Tu sais, comme le web, il y a des fonds expressément pour le web ou pour le court-métrage sur le web. On peut faire du court-métrage justement, mais tu sais, il y a beaucoup de candidats. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui veulent produire. Donc, on est toujours subsidiaire de décisions X de comité Y, là. Pour faire. C'est très dur. Il y a des compagnies parce que, tu sais, l'exemple que je parlais aujourd'hui, il y a tout un pan de l'industrie qu'on ne voit pas beaucoup. Il y a tout un pan d'industrie qui n'existe, qui est supporté par des investissements privés et des crédits d'impôt. Point. Tu sais, qui ont des output deals, qu'on appelle. Ça, c'est beaucoup en anglais, on va voir ça, tu sais, qui ont des deals, on va dire, de production pour des chaînes spécialisées, qu'elles soient américaines ou européennes. Puis qui va avoir un pendant canadien, mais qui vont faire 2-3 films par année, tu sais, de manière continue, qui n'ont pas du tout à faire ni avec la SODEC, ni avec Téléfilm Canada, ni avec des distributeurs ou quoi que ce soit, qui font ça avec des crédits d'impôt et de la part la personne qui achète et leur client principal va payer la balance, le solde des coûts, puis ils fonctionnent comme ça. Il y a une multitude de compagnies qui fonctionnent comme ça au Canada et qui vivent grâce aux crédits d'impôt et aux acheteurs étrangers. Quand on fait de la propriété canadienne plus culturelle, jusqu'à un certain point, le Canada n'est pas différent de tous les autres pays. Il y a seulement les États-Unis et l'Inde qui n'ont pas de système vraiment de soutien cinématographique spécifique. C'est des économies de marché plus, puis ils ont la clientèle qu'il faut. L'Inde, ça va sans dire à cause de la population nationale.
Puis les États-Unis, c'est à cause du réseau de distribution qui est à la grandeur de la planète. C'est que je dis, il y a des sources de revenus qui sont importantes qui dégagent de ça. Donc, même aux États-Unis, les États ont mis sur pied des systèmes de crédit d'impôt pour se rendre plus attrayants pour que les tournages aient lieu sur leur territoire aussi, parce que ça fait travailler du monde, et patati et patata. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en général, les gouvernements mettent de l'avant de l'argent pour soutenir leur identité et leur culture nationale parce que le marché n'est pas assez vaste pour que ces activités économiques, culturelles, se soutiennent d'elles-mêmes. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas assez de ventes ou il n'y a pas assez de population pour dire, bon, ben écoute, je vais faire un film, il va être rentable, ça va payer mon loyer. Comme on l'a vu tantôt, il y a beaucoup d'intervenants sur le territoire national. Puis à l'international, ça peut être payant, mais on n'est pas les seuls qui sont là aussi non plus. Tu sais, il y a une compétition assez importante. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais bon. Merci beaucoup, Michel. Il y a une question. Comment vous êtes-vous retrouvé à travailler dans la production? Comment je me suis retrouvé à travailler dans la production? Écoute, c'est un concours de circonstances. J'étais figurant dans un film de Louis Fury là, qui s'appelle, c'est avec Carole Laure, là, ça fait quand même, c'était Night Magic, ça s'appelait. Et puis, il y avait besoin de 100 figurants au Monument National, donc moi j'étais parmi les figurants et j'ai vu que le deuxième assistant, qui celui qui s'occupait des figurants, était débordé, là, il était plus calme, c'est que j'ai été lui offrir un coup de main, puis finalement ils m'ont engagé. Puis, tu sais, tu rentres dans la machine comme ça, c'est. Ça faisait que, bon, à cause de mon âge, c'était plus facile. À l'époque, il y avait un syndicat des techniciens. On était 400 membres. Maintenant, je pense qu'ils sont des milliers de membres. Là, c'est quand même différent. Mais de fil en aiguille, tu acquiers des connaissances. Parce que, bon, moi, je ne suis pas réalisateur, ni caméraman, ni un métier qui requiert, on va dire, une formation technique pour être producteur. Ça s'apprend souvent sur le tas. Ça s'apprend sur le lieu de tournage comme tel, parce que finalement, tu es un gestionnaire de projet. Un producteur, c'est un gestionnaire de projet créatif. Il y a des gestionnaires de projet qui sont plus financiers, il y en a qui sont plus du niveau créatif, puis il y en a qui ont les deux, et il y en a qui sont vraiment très entrepreneurs. Mais après une dizaine d'années sur des plateaux de tournage, dans toutes sortes de fonctions, tu sais, de régisseur jusqu'à producteur délégué, je travaillais beaucoup sur des films, justement des productions de services américaines. J'allais chercher des scénarios à la SODEC à l'époque qui voulait attirer des tournages étrangers au Québec. Et je rentrais en contact avec le producteur américain pour lui dire oui, les lieux de tournage ici peuvent s'accommoder de l'histoire que vous voulez raconter. Puis là, j'ai expliqué les règles syndicales et les laboratoires qui existaient sur le territoire de Montréal ou du Québec. Et puis quand il venait, il me donnait un job, tout simplement. Puis à la longue, ben, j'étais justement employé par la SODEC. Après ça, employé au Crédit d'impôt. Après ça, employé à Téléfilm Canada. Donc, il m'a taponné avec mon truc. Okay. Merci, Michel. Il y a une autre question. Quelles sont des connaissances ou des expériences que devrait acquérir une personne qui souhaite travailler dans la production, selon vous? Tu sais, un producteur, c'est... Il y a trois personnes qui font un film. Le scénariste, le réalisateur et le producteur. Tu sais, il y a tout un groupe, il y a le directeur photo, naturellement, le compositeur, le monteur, tout ça. Tu sais, mais les trois principaux, c'est le scénariste, le producteur et le réalisateur. Je pense qu'un producteur, c'est celui qui, de loin, doit être le plus polyvalent, qui doit avoir aussi une fibre artistique, notamment du contenu. Parce que souvent, si tu as... Tu as un réalisateur qui est soit scénariste, tu es réalisateur-scénariste ou tu as un réalisateur et un scénariste, il crée quelque chose. Tu sais, mais je veux dire, il faut que le producteur amène cette création-là à un niveau tangible. C'est-à-dire qu'il faut que ça devienne un vrai film, il faut que ça se transcrive de la page à l'écran. C'est un peu cliché ce que je dis, mais les meilleurs producteurs sont des producteurs qui sont capables de s'adresser au contenu. C'est capable d'avoir une conversation constructive avec un scénariste et un réalisateur. Puis ça prend quand même pas mal de doigté parce que tu parles avec des créateurs, mais tu es quand même en charge de la production. Il faut que tu livres la production.
et tu l'allies dans un certain paramètre budgétaire de faisabilité. Donc, je pense que l'artiste qui est le producteur, il y en a qui vont avoir des oreilles qui frisent, mais je pense qu'un producteur est aussi un créateur au même titre qu'un réalisateur, qu'un scénariste. Ça ne s'exprime pas de la même manière, mais c'est sûr que c'est le trio qui va faire que le film va exister en bout de ligne. Tu sais, puis au Québec, on est un peu à l'européenne, contrairement, on va dire, aux Américains. Tu sais, aux Américains, souvent, tu vas avoir des films de réalisateurs, des films de producteurs. Tu sais, tu vas dire c'est un film de Spielberg ou c'est un James Bond. Tu ne sais pas c'est qui le réalisateur. Tu sais juste que tu sais, c'est Spielberg qui l'a fait. Donc, ça te donne une connotation de dire c'est quoi le type de film que je vais voir ou la qualité du film. Les Européens, c'est plus des films, on parle du réalisateur, c'est un film de telle personne, de telle personne, de telle personne. Tu sais, je veux dire, puis au Québec, on est un peu comme ça. Tu sais, on n'a pas beaucoup de producteurs qui ont mis, tu sais, il y a Denise Robert qui met sa marque là, beaucoup, mais il y a, on va dire, Richard Goudreau pour les Boys, des choses comme ça, tu sais, qui ont une marque de producteur, mais c'est souvent, c'est des films de, tu sais, c'est un film de Denis Arcand, un film de Jean-Claude Dauzon, c'est un film, tu sais, c'est un film de réalisateur. Donc, c'est une façon de voir les choses qui est différente que des films strictement de producteurs. Mais n'empêche que les producteurs ont un rôle primordial à l'idée ce contenu-là. Tu sais, c'est eux qui vont l'amener à bon port, tu sais, parce qu'il faut rester justement dans des critères de faisabilité. Puis des fois, il faut que tu sois très créatif justement pour amener une idée en film. Tu sais, c'est pas juste une question de réalisation, c'est pas juste une question d'écriture. Bien sûr que c'est principalement ça, mais il faut le faire aussi. Tu sais, il faut le mettre en... Faut que ça finisse par un vrai produit, là. Merci beaucoup, Michel. Il y a une question que je voulais te poser. Merci, Guillaume, pour la question. Je pense que c'est très important pour les étudiants aussi qui sortent de spécialisés en cinéma de l'université et qui ont besoin d'un peu de guide pour savoir comment faire face à l'industrie. Donc, et quelles sont les étapes pour se partir une compagnie de production au Québec? Mon Dieu. Moi, ça dirait, ce que je vais dire va peut-être pas vous plaire, là, mais je trouve que en partant, il y a trop de compagnies. T'sais, déjà là, au moment où on se parle, il y a trop de compagnies. Puis il y en a de plus en plus parce que chaque université, chaque école spécialisée va générer un producteur. Tu sais, c'est comme moi, je pense que la meilleure place pour apprendre ton métier de producteur, c'est de travailler avec un producteur. Avec un producteur qui est déjà là, qui va te mentorer, qui va te montrer. C'est d'aller travailler chez lui, dans sa compagnie, pour apprendre le métier. T'sais. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect le plus important, c'est l'aspect créatif. Côté créatif d'un producteur, il y a l'aspect financier, naturellement, mais toutes les réglementations dont on a parlé tantôt, là, c'est une panoplie. Il y a beaucoup de producteurs qui sont des avocats, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de conventions légales dans une production. Hein, tout est régi légalement et les bailleurs de fonds vont demander des contrats de ci, des contrats de ça. Donc, il faut que tu sois un peu capable de naviguer là-dedans. Mais je pense que le meilleur moyen d'apprendre ton métier, c'est de travailler avec quelqu'un qui le fait déjà. T'sais, parce que tu peux l'apprendre sur le tas, tout ça, mais je veux dire, c'est une industrie un peu drôle, dans le sens que il n'y a pas de fusion beaucoup de compagnies. Puis c'est un peu un problème systémique parce que les investissements vont aller à des compagnies, mais ils ne financeront pas plus qu'un film par année par compagnie, on va dire. C'est quand même... Donc, mais il y avait des modèles qui étaient assez intéressants, qui existent encore comme la coop ou l'ACPAB. L'ACPAB, c'est une coop de producteurs. Puis, tu sais, justement, des films, des choses comme les films de l'autre. Tu sais, c'est un ensemble de réalisateurs, dans le cas des films de l'autre, des réalisatrices, productrices qui sont ensemble et qu'il y en a une qui produit, l'autre va réaliser, puis là, ça va être autour de l'autre de produire pour réaliser. À l'ACPAB, c'est un peu ça. C'est un ensemble de producteurs, c'est une coop de producteurs qui s'entraident et qui vont de l'avant. Parce que, je veux dire, c'est un métier aléatoire, comme on a vu, il n'y a pas toutes les années qu'il y a une source de financement qui vient s'établir. Donc, il faut qu'il y ait du volume de production pour pouvoir survivre. Et plus il y a de compagnies, moins il y a de chances d'être financé jusqu'à un certain point. Parce que, tu sais, les fonds ne se multiplient pas, contrairement aux compagnies de production. Tu sais, c'est que je pense qu'il y aurait lieu de regarder, d'encadrer ça. Mais pour répondre directement à la question, oui, moi, j'irais travailler chez un producteur.
Merci Michel. Il y a une question de Katia ici par rapport à la distribution. Que pensez-vous du fait qu'au moment de la distribution d'un film, il y a plusieurs intermédiaires qui laissent la société de production avec une faible marge de profit? Pourriez-vous imaginer un autre schéma commercial avec moins d'intermédiaires? Serait-il viable? Bah, tu sais, y a des intermédiaires que tu ne peux pas... Tu peux pas éviter, tu sais, je veux dire, il y a des, si tu veux sortir ton film en salle, ça te prend une salle et un propriétaire de salle. Ça, c'est assez dur de penser à côté. Là. Mais ça, c'est dit, c'est que il y a l'enjeu de la grandeur du territoire. Tu sais, je veux dire, tu es au Québec, tu sais, t'as, on va dire, tu as 8 millions de francophones, tu sors un film en français au Québec, même si, tu sais, si. Si la majorité des gens adultes vont voir le film, ça ne générera pas assez de revenus pour payer le film, tu sais, pour rembourser la totalité de tes ayants droit. Parce que, bon, c'est un petit territoire. C'est sûr, si tu étais en Inde, ben là, tu as 3 milliards de potentiels clients. C'est que même si tu en as juste 10 %, c'est déjà beaucoup. C'est ça qu'il y a cet enjeu-là. Par contre, ce qui est en train de se passer beaucoup, c'est qu'on voit que les institutions changent leur accès aux fonds de distribution, comme on en parlait tantôt. Pour les films de moindre budget, le producteur peut être en charge de sa distribution. Et ça, ça peut être intéressant économiquement, parce que naturellement, le producteur ne se prendra pas une commission forcément, ou s'il s'en prend une, ça ne sera pas de la même hauteur, et l'argent va venir plus à la structure de financement. Ce que je veux dire, c'est que on va dire que si vous êtes un producteur d'un film de 1,1 million de dollars ou 1 million de dollars, puis vous n'avez pas besoin d'avoir un distributeur pour aller chercher du financement à Téléfilm ou à la SODEC. Par contre, vous avez besoin d'un plan de mise en marché. Au Québec, on a beaucoup de distributeurs qui n'ont pas peur de prendre le risque, même sur un film à plus petit budget. Mais si vous allez au Canada anglais, vous avez un film de 1,1 million de dollars, là, ne essayez pas de trouver un distributeur, ça va être extrêmement difficile. Donc, le producteur, de facto, devra faire office de distributeur et aller chercher un montant d'argent au fonds de marketing de Téléfilm pour pouvoir distribuer son film. Mais c'est une expertise, la distribution aussi. Ce n'est pas juste un vendeur de char. Là, tu sais, je veux dire, c'est comme il faut que tu sais, il faut que tu fasses le booking des salles. Il faut que tu aies des entrées dans les télédiffuseurs ou des entrées dans les agrégateurs si tu vas essayer de rendre ça une plateforme. Tu sais, ça ne se fait pas, ça se fait avec le temps, avec un réseau de contacts, une expertise, une bonne promotion. Parce que n'importe qui va acheter un film, notamment un propriétaire de salle, va accepter de voir le film dans sa salle. S'il y a une campagne de promotion qui n'est pas le propriétaire de salle qui paye la promotion, c'est le distributeur. C'est que si la campagne de promotion est plus ou moins efficace ou plus ou moins structurée, le propriétaire de salle va dire, oui, mais là, qui va venir voir mon film? Tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui est au courant quand même que le film existe. Il faut que tu ailles une chose. Puis c'est pour ça que la salle est si importante, parce qu'on l'a vu, la salle n'est pas le vecteur économique le plus important de la chaîne de revenus. Mais de manière, disons, promotionnelle, c'est le vecteur le plus important. C'est là, premièrement, qu'on a une expérience cinématographique réelle. Mais mis à part ça, c'est là que les journalistes vont se déplacer pour aller à la première. C'est là qu'il va y avoir une visibilité. C'est là que toute l'ampleur de la campagne de promotion va s'enraciner et va avoir des répercussions sur les autres plateformes. C'est une bonne sortie, c'est une bonne première, une bonne sortie en salle, puis que ça fait un bouche à oreille important et positif. C'est sûr que le télédiffuseur va en profiter. C'est sûr que la plateforme va en profiter. C'est sûr que les autres moyens de distribution vont avoir un impact positif sur leur capacité de rejoindre un auditoire. Mais pour revenir à la question de base, c'est que si le producteur est plus en charge de sa distribution pour un film à plus petit budget, il va devoir aller chercher l'expertise parce que c'est pas inné. Tu sais, je veux dire, il faut avoir un booker, il faut avoir surtout une campagne de promotion qui est axée sur la bonne, bien identifier le public cible. C'est souvent l'enjeu, c'est les producteurs, c'est qu'ils n'arrivent pas à bien cerner qui est le public cible. Parce qu'une fois que tu as bien cerné qui est ton public cible, ben il est où ce public cible-là? Est-ce que c'est
un auditoire plus jeune, ils sont sur les réseaux sociaux, donc il faut que tu fasses des campagnes plus axées sur les réseaux sociaux, sur des communautés spécifiques que le film risque de sonner une cloche plus importante. Ou c'est un auditoire plus âgé, plus baby-boomer, ou qui sont encore à regarder la télévision et la presse plus traditionnelle. Donc, c'est plus là que la promotion va avoir lieu, ou un mix des deux, où c'est un public jeunesse. Donc, il faut vraiment adapter sa stratégie de promotion et d'atteinte d'auditoire avec le public cible primaire. C'est vraiment... c'est fini les jours. On dit, ah ouais, ça va être de 7 à 77 ans. Ça ne marche plus, ça, 7 à 77 ans. Il faut vraiment que tu sois beaucoup plus spécifique et beaucoup plus agressif parce que l'offre qui est donnée aux spectateurs est énorme. Je veux dire, tu peux regarder du contenu de long métrage à beaucoup d'endroits. Puis il n'y a pas juste la compétition maintenant avec les Netflix dans toutes les maisons est mondiale, même sur son propre territoire. Là, t'sais, je veux dire, il faut vraiment que tu intéresses. Le phénomène de fierté nationale est important. Malgré tout, là, c'est vraiment très, très important de dire oui, c'est un film québécois ou c'est Ricardo Trogi qui fait le film. Là, je suis content, je vais aller voir ça. J'ai vu le dernier, c'était bon. Puis on est fiers de voir des choses qui émanent de notre territoire. T'sais, ça, c'est important. C'est une corde importante à jouer. Mais la nationalité du film n'est pas le vecteur le plus important. C'est une comédie romantique, mais c'est une bonne comédie romantique. C'est un thriller, c'est un bon thriller. Pas parce que c'est québécois qui va être ça. T'sais, il faut qu'il soit bon dans son genre de film. Et il faut jouer là-dessus et la campagne de promotion est primordiale. C'est sûr que dans les équipes de distribution, les maisons de distribution, il y a des équipes qui sont habilitées à faire ça, qui sont habituées à faire ça, qui font ça tout le temps. Donc, ils ont... Mais c'est quelque chose qui peut s'acquérir. Si tu as un film à plus petit budget ou tu n'as pas de distributeur, ça va te coûter un certain montant, mais tu peux aller chercher les personnes ressources pour justement aller stimuler l'auditoire que tu vises. T'sais. Merci, Michel. Je pense que nous avons du temps pour une dernière question. Je vais la lire. Quel est l'intérêt des institutions québécoises à financer des contenus tels que des webdocs ou des projets interactifs? Il semble que ces fonds se soient taris et n'aient pas assez d'audience. Qu'en pensez-vous? Il y a des fonds qui existent parce qu'aujourd'hui, on a ciblé vraiment le long métrage, là, mais les documentaires, les webdocs, il y a des fonds privés et publics qui s'adressent à ça. Hein, c'est que je pense que ça aurait lieu de faire un autre masterclass. Là. Mais il y a des fonds qui existent pour ça. T'sais, c'est à moindre envergure qu'on va dire que le long métrage, mais c'est des choses qui existent. Et c'est des choses que les diffuseurs ou les gestionnaires de contenu, si tu veux, aiment faire, parce qu'un webdoc, c'est pas cher, ou un one-off fiction sur le web. Beaucoup, il y a plus d'engouement là-dessus maintenant parce que c'est une bonne manière, à peu de frais, de découvrir des nouveaux talents, des nouveaux réalisateurs, des nouvelles capacités, des nouvelles idées. T'sais. Parce que c'est un peu ce que les Anglais faisaient en broadcast, là, c'est plus de financer des pilotes, là, puis ça ne marche pas, bon, on oublie la série, mais on a fait un pilote pour voir. Là, tu peux aller explorer avec le web. Tu peux aller explorer des idées, tu peux aller explorer des nouveaux talents, des nouveaux réalisateurs, des nouveaux comédiens, comédiennes. Ça peut être une porte d'entrée extrêmement intéressante, parce qu'en plus, tu peux faire de la production à moindre coût. Puis maintenant, il y a des systèmes de financement en place pour ça. C'est reconnu même par les crédits d'impôt. Avant, ce n'était pas soutenu par les crédits d'impôt. Il y a des manières de structurer un financement pour faire un produit comme ça. C'est sûr que ça n'a pas l'ampleur d'un long métrage financièrement, mais c'est faisable. Il y a une autre question. Quels sont les avantages et inconvénients pour un réalisateur, une réalisatrice, d'être aussi producteur-productrice? C'est que ça va t'occuper ton temps à 150%. C'était pas tout à C'est comme... Tu es en charge de tout, mais tu sais, le cinéma, c'est vraiment un travail d'équipe. T'sais, je veux dire, c'est... Puis c'est pas mauvais, des fois, d'avoir du feedback, tu sais, d'un producteur qui a des bonnes capacités au contenu pour te challenger un peu. Écoute, je pense que là, l'arc dramatique, là, ça me pose des questions. Tu sais, c'est ça. Mais oui, tu peux être un cinéaste et peux être en charge de tout ça. À ce moment-là, c'est plus un mode de vie. Tu sais, il y a des gens qui font ça, tu sais, comme tu prends comme Marc-André Forcier, c'est un gars qui a sa compagnie, qui est réalisateur, qui est scénariste,
Puis, tu sais, il ne veut pas faire d'autre chose que ça, lui, c'est ça, c'est son champ de bataille, il est en contrôle de tous les aspects. T'sais. Ça a le bon côté d'être en contrôle et le mauvais côté aussi d'être en contrôle, c'est que tu n'as pas, souvent, tu n'as pas de feedback pour te ramener, tu es tout seul à aller dans une direction. T'sais. Mais ça te donne la liberté totale. Oui, dans cette belle note, je voudrais remercier en nom de l'Observatoire de cinéma au Québec, du cours d'économie du cinéma de l'Université de Montréal, je voudrais remercier Michel Pradier pour cette séance. Merci d'être venu et de partager avec nous votre connaissance. Merci tout le monde qui était sur YouTube et on se parle bientôt, Michel. Merci à cette fait. Merci beaucoup à tous. Au revoir. OK, bye. Bye.